Je l'ai trouvé sur Facebook. Alors, ce qui est quand même vachement rigolo, c'est que c'est mon premier éditeur qui s'appelle Jean-Claude Camano, qui s'occupait de Tcho, mais avant qui s'est occupé de Nomade, une des premières BD que j'ai fait dans les années 90, et qui avait posté ça sur son mur. Et c'était, je me suis rendu compte, c'était un hoax. Donc, il y avait un peu de putaclic dedans. Donc, il fallait enlever ce qui était vrai et ce qui était faux. Et je trouvais que ce qui était vrai était tellement plus intéressant que ce qui était faux que je me suis dit, il faut absolument travailler là-dessus. C'est génial. D'autant que 2 ans avant, j'avais visité l'expo au Mémorial de la Shoah sur les ghettos. Où il y avait beaucoup de photos assez fortes et incroyables prises par les nazis dans les ghettos pour documenter la chose et les envoyer à Berlin, voir comment ça se passait. J'avais été fasciné par cette expo et je ne savais pas tellement comment aborder ce sujet que j'avais envie d'aborder. Et quand je suis tombé sur Irana, je me suis dit, voilà, c'est vraiment, et à double titre, la porte d'entrée dans les ghettos, parce que là, j'ai un personnage dans lequel il n'y a pas trop d'éléments que je peux investir et qui va me permettre de raconter cette histoire dingue, finalement. Anna Senderova, En fait, c'est quelqu'un qui travaillait dans le réseau d'aide sociale en Pologne à une période donc assez dure, c'est-à-dire quand les Allemands sont arrivés et quand ils ont mis les Juifs dans le ghetto. Alors elle n'était pas juive, en fait, elle était catholique, mais son père est lui mort du typhus en aidant déjà des gens malades. Donc elle essaye, je pense, elle a essayé de suivre son exemple. C'était un peu son papa. Fantasmée aussi, quoi, qui apparaît d'ailleurs dans la bande dessinée. Et en fait, elle avait la possibilité de rentrer dans le ghetto au début pour donner à manger, pour soigner les gens, parce que les Allemands avaient peur, en fait, justement, que le typhus se diffuse à leurs propres hommes. Donc, ils soignaient à l'intérieur du ghetto les gens qui voulaient tuer, ce qui était quand même assez paradoxal. Et donc, elle en a profité pour commencer à sortir des enfants. Et finalement, elle en a sorti quand même 2500 du ghetto, ce qui est quand même incroyable. Mais je pense que ça ne s'arrête pas là, c'est-à-dire que derrière cette démarche, on va dire, de résistance et de sauvetage, il y a aussi une démarche philosophique forte, c'est-à-dire qu'elle a gardé tous les noms des enfants, elle a noté tous les noms des familles qui les ont adoptés, puisqu'il y a beaucoup de Polonais qui ont adopté des enfants et des catholiques, justement, pour les aider et leur sauver la vie, et elle a enterré tout ça en se disant, le jour où la guerre sera finie, on pourra rendre la mémoire aux gamins. Et ça, c'est formidable, c'est-à-dire que ça dépasse juste le fait de faire des actions, il y a vraiment une pensée puissante, je pense, derrière ça. Et c'est aussi fascinant que les actes qu'elle a réalisés. L'histoire va encore plus loin que ça, c'est-à-dire qu'au départ, c'était 2 albums. C'était un diptyque que j'avais signé avec Jean-Claude Camano, donc. Et en arrivant à la fin du tome 2, je me suis dit, bon, je peux m'arrêter là, mais en fait on pouvait faire un petit dossier à la fin pour dire ce qui s'est passé après. Mais il y a encore tellement de choses à raconter, donc je l'ai vite appelé, je lui ai dit, est-ce que tu crois que je peux en faire 3? Donc il m'a dit oui pour 3. Donc on est parti sur 3, et en faisant le 3e, je me suis dit, mais... En faisant le 3e, on est allé à Varsovie, et je me suis dit, il y a tellement encore de matière, j'en ferais bien un 4e. Et donc voilà, j'ai réfléchi à en faire un 4e. Donc la chose a été acceptée, et David Evrard, le dessinateur, me disait, je pense qu'on pourrait en faire un 5e. Mais moi je disais, mais... Écoute, peut-être, mais je ne veux pas faire l'album de trop. Je n'ai pas envie que ça se finisse un peu comme ça, en soufflé qui se défait. J'ai envie que la fin, elle soit aussi forte que le début. Et c'est important pour moi, et puis pour lui aussi, pour tout le monde. Et il était d'accord avec moi. Et donc, je me suis dit, je vais écrire le résumé, scène par scène du tome 4. Comme ça, je saurai où j'en suis. Et en fait, j'en ai écrit 2 d'un coup. Donc, il avait raison. Il faut en faire 5. Donc, on s'oriente vers ça. Mais en fait, le premier, je dirais que c'est comme un premier cycle. Les 2 premiers, c'est une sorte de cycle. Et puisque le présent de l'action se passe à Varsovie. Et le 3, 4, 5, c'est presque un deuxième cycle, c'est-à-dire c'est la continuité de l'histoire, mais en même temps, le présent de l'action se passe à Yad Vashem en 83, puisqu'elle a été... Elle a été nommée juste parmi les nations et en 65, mais elle n'a pu aller... les autorités communistes l'ont laissé sortir du pays qu'en 83. Et donc, en fait, le présent de l'action, avec tous les flashbacks et tout, mais se situe à ce moment-là, parce que j'avais envie de raconter aussi la vie des enfants sauvés. Donc vraiment, les 3, 4, 5, ils sont plus, c'est plus un deuxième cycle, on va dire, qu'une suite d'albums. Quand on est allé en Pologne, on a été impressionnés, parce que quand même, on avait fait un bouquin sur la Pologne, mais on n'y était jamais allé. Donc on se demandait un peu comment on allait être accueillis. Et on a été surpris, parce que c'était la sortie de l'album pendant le festival de la fête du livre de Varsovie. On a réussi, on en a vendu 150, on a vidé le stock en 3 jours, donc c'était super impressionnant pour nous. Donc tout le monde aimait bien. Et en fait, les Polonais sont dans une situation complexe aujourd'hui, puisqu'il y a quand même un parti d'extrême droite dont le président dirige. Et il y a beaucoup de réunions d'extrême droite, etc. Donc il y a ces idées qui resurgissent beaucoup en Pologne, et ce qui est assez complexe.
Et en même temps, il y a aussi plein de gens qui se souviennent de ce qui s'est passé. Et donc, Irena est un personnage national, mais comme on me disait là-bas, tout le monde ne sait pas exactement ce qu'elle a fait ni rien. Ils connaissent son nom, mais ils ne savent pas trop. Donc là, c'est les 10 ans de sa mort. Donc on va y retourner parce que malgré tout, il y a les autorités culturelles qui ont décidé d'en faire une année anniversaire sur elle. Donc on va aller voir comment ça évolue. Mais c'est vrai qu'en visitant les restes ce qui reste du ghetto et tout ça, on était assez surpris parce que tous les restes de murs sont cachés derrière des décharges. Ils mettent des poubelles devant. On sent qu'ils n'ont pas envie en ce moment qu'on s'y intéresse, quoi. Il y a des parkings devant pour cacher. Enfin, c'est assez bizarre. En fait, moi, on a essayé de faire une BD pour tout le monde. C'est-à-dire, c'est un peu complexe, mais quand j'ai entendu parler de cette histoire, ou je l'ai lu sur Facebook, j'ai toujours tout de suite eu cette idée de dessin, on va dire jeunesse, mais assez fort, avec des décors, qui est à la fois le style Marcinelle, mais en même temps une narration totalement différente. Et en même temps, des couleurs qui reflétaient ce que j'avais vu du mémorial de la Shoah, des photos de l'époque. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. On y est assez bien arrivé, je peux le dire, parce que c'est pas moi qui le fais, ça. Donc je suis assez content du travail des garçons. Et vraiment, on a fait attention à ce que tout le monde puisse le lire. Alors c'est évidemment tout le monde, ça veut dire pour les enfants avec les parents, parce qu'il y a des scènes vraiment très dures. On n'a pas voulu édulcorer. On a voulu montrer les choses d'un point de vue regardable. C'est-à-dire que si j'avais choisi un dessin réaliste, je pense qu'il y a des scènes, les gens y refermaient le livre en les voyant, parce que c'est impossible en fait à soutenir. Donc on a essayé de trouver des trucs avec le dessin pour que ce soit lisible. Il y a une scène avec les Einsatzgruppen dans le premier où c'est la Shoah par balle. Et j'avais dit à David, bon, avec ton dessin, tu peux mettre la caméra frontale et on regarde les gens, ce qui se passe, avec ton dessin, ça passera. Mais j'y arrivais pas à regarder les pages. En fait, je trouvais ça, même avec un dessin comique, c'était impossible, c'était trop dur, quoi. Donc on a trouvé un petit truc en se mettant au niveau des pieds des gens. Et donc c'est ça le travail, c'est d'essayer de pas édulcorer, parce que moi je pense que quand j'étais gamin, j'aurais aimé comprendre en fait tout ça, savoir que c'était vraiment dangereux. C'était pas un danger comme ça hypothétique. Hein. Et voilà, c'est la manière de le raconter. Donc pour moi, c'est pour tout le monde. Je pense que vers 10 ans, les enfants peuvent le lire. Et après, je pense que si les grands osent lire un truc qui ressemble à de la jeunesse, ils vont aussi apprendre des choses. Et j'espère être touché, parce qu'on a essayé de faire un truc émouvant. Donc c'est ça le plus important.